au niveau de Balingué. Et souvent, quand on fait le dispatching, par exemple, pour aller, on met deux citernes sur Dar Salaam, en cours de route, il y a une citerne qui disparaît. Ou bien les deux citernes disparaissent. Donc, ce sont ces manquants qu'on a constatés comme cela. Et ces manquants, nous, on les qualifie de vol. Et ces manquants, sur 4 jours seulement, nous avons constaté qu'il y a 59 citernes, c'est le chiffre exact, qui ont disparu entre Balingué et les différentes centrales du Bamako. Alors, qu'est-ce que ce carburant, il devient au fait, Madame le Ministre? Bon, ce carburant, souvent, est revendu dans certaines stations de la place. Ce carburant, souvent, est revendu également aux industries, à des prix bon, moins chers, etc. Et ce carburant aussi, et bien sûr, s'il y a les chauffeurs, il y a aussi les agents des EDM qui sont complices dans ce vol de carburant. Qu'on a pu quand même détecter et on pense que le problème sera résolu au moins une partie à ce niveau déjà. Mais certains n'hésitent pas déjà à parler d'un réseau mafieux composé donc de fonctionnaires et de commerçants. Est-ce que vous voyez la chose comme ça? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a également vol de carburant. Il y a également vol, c'est-à-dire qu'on peut même qualifier cela de vol au niveau même de la facturation des EDM. La facturation, les vols au niveau de la facturation, c'est quoi? Quand un fournisseur livre, disons, une citerne de 45 000 litres, il y a un récépissé de réception qui est signé par les agents des EDM et par le chauffeur. Maintenant, au niveau même des EDM, au lieu de faire une seule facture par rapport à ces récépissés, souvent on a retrouvé deux à trois factures liées à un seul récépissé. Et toutes ces factures sont payées aux fournisseurs. Donc tout ça, c'est quand même des vols parce que le fait de payer cela, que ce soit par des traites, que ce soit par des virements dans les comptes de ces fournisseurs, c'est un manque à gagner au niveau des EDM. Même si toutes les traites ne sont pas encore payées, mais ça fait quand même un manque à gagner au niveau des EDM. Donc au niveau des EDM, il y a des vols sur les carburants, il y a les vols sur les facturations, et également, on n'a pas encore fini, mais on a constaté par exemple sur les facturations, sur un seul fournisseur, sur 2 mois seulement de contrôle, nous avons constaté qu'il y a 1,6 milliard de facturations complémentaires, supplémentaires à ces niveaux. Et sur un deuxième fournisseur, uniquement sur l'année 2022, nous avons constaté 52 factures supplémentaires pour un montant de 18 milliards surfacturés. Et là, c'est uniquement sur 2 fournisseurs. Mmh. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que EDM a 800 fournisseurs. 800 fournisseurs. 800 fournisseurs au niveau de EDM, à qui aujourd'hui EDM doit plus de 600 milliards. Mmh. Et vous n'avez pas fini les enquêtes, les investigations à votre niveau? Non, les enquêtes, les contrôles ne sont pas encore finis. Mmh. On n'a fait que pour 2 fournisseurs. Et ces 2 fournisseurs, ce sont des fournisseurs de carburant. Parce que le plus gros des fournisseurs à qui EDM doit, c'est surtout les fournisseurs de carburant et les fournisseurs d'électricité. C'est-à-dire comme Albatros, compagnie et ivoirienne, etc., qui fournissent de l'électricité. Ou bien c'est la SOGEM qui fournit de l'électricité à EDM. Mais au niveau de ces fournisseurs de carburant, qui sont pour la plupart des Maliens, ce n'est pas des étrangers, ce sont des Maliens qui sont là. Et normalement, même ces fournisseurs, quand on vous paye un montant, et que ce montant, normalement, vous devez avoir votre comptabilité à votre niveau, ce montant ne correspond pas. Vous voyez que ce montant est supérieur, normalement, vous devez dire non. Ce montant, soit ça vient en avance, mais il ne faut pas considérer, il ne faut pas qu'eux aussi prennent ça comme paiement. Alors, il s'est dit que vous avez effectué une visite inopinée ce week-end au niveau donc de vos centrales. Donc, cette visite corrobore tout ce que vous venez de dire. Oui, parce que cette visite, pourquoi on l'a faite? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un fournisseur avait livré 17 citernes. Et on n'a pas vu trace de ces 17 citernes sur les documents. C'est pourquoi le dimanche, on s'est déplacé sur la centrale de Balingué, qui est la centrale et centralisateur de toutes les citernes qui arrivent pour EDM. Et effectivement, on a
pratiquement, ça a été un peu compliqué. Parce qu'il y avait le chef de la centrale qui enregistrait ces citernes avait du mal à nous donner les documents. Donc, parce que quand on lui a demandé, il faudrait nous tirer, nous faire une impression, il dit que son imprimante ne marche pas, son ordinateur ne peut pas porter une clé USB et il ne peut pas faire des transferts sur un autre compte ou un email. Donc, nous avons transporté cet ordinateur dans nos bureaux au niveau du ministère avec lui-même pour que ça soit fait. Et notre informaticien a pu débloquer toutes ces informations que nous avons eues. Alors, de mauvaises pratiques donc que vous constatez, qu'est-ce que vous entreprenez comme mesure pour mettre fin à ce genre de pratiques? Les premières mesures, ça doit d'avoir les sanctions. Parce que si quelqu'un faute à ce niveau, il faut quand même qu'il y ait une sanction derrière. Cette sanction, elle sera faite. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, il faut maintenant également identifier tous les coupables qui sont dans cette chaîne-là. Que ceux qui sont actuellement présents à EDM, même ceux qui sont partis récemment, s'ils sont fautifs, il faut qu'ils soient interpellés pour répondre de leurs actes. Là, donc, c'est pour la sanction et pour la bonne marche des choses, de la fourniture en électricité pour le pays. Bon, la bonne marche, c'est que nous sommes en train de mettre en place des contrats. Le contrat de management et du carburant. On a commencé par le fuel. Pourquoi le fuel? Parce que le fuel doit être utilisé dans les deux plus grosses centrales, de Sirakoro et de Balenguer. Le fuel que EDM actuellement n'utilise pas. D'accord. Donc on va revenir à ce fuel-là et on fera un contrat de management de ces livraisons avec le fournisseur. Le contrat de fuel management, c'est quoi? C'est-à-dire que EDM aura un contrôle. C'est-à-dire que EDM saura au temps T quelle est la quantité de carburant qui lui a été livré. Donc, même si ça reste dans le camion, le problème c'est que c'est la quantité livrée que EDM va enregistrer, c'est ça qui sera payé. Donc déjà, il y a moins de pertes à ce niveau. Et deuxièmement, ça va permettre aussi de faire le stockage. Parce que si il y a une quantité énorme. Il y a des cuves qui existent déjà au niveau de ces centrales où on peut faire le stockage. Donc ça permet aussi de diminuer quand même les coupures intempestives pour dire qu'il n'y a pas de carburant. C'est pourquoi on coupe, on fait les délestages. S'il y a quand même un stock qui est là, parce que le problème c'est qu'il n'y a même pas de seuil d'alerte actuellement au niveau des EDMSA. Donc vous espérez que si vous mettez fin à ces pratiques, la desserte en électricité du pays va s'améliorer? Ça va beaucoup s'améliorer. Ça va beaucoup s'améliorer parce qu'il n'y a pas uniquement que ces problèmes-là, il y a également des problèmes financiers au niveau des EDM. Parce que si on voit les recettes des EDM par rapport à au nombre de clients qui existent, on voit qu'il y a beaucoup de pertes au niveau de ces recettes. Donc il faut quand même arriver à mobiliser entièrement ces recettes-là au niveau des EDM, au niveau de ces agences-là, parce que tout le monde a constaté, nous tous, nous sommes passés dans des agences pour faire des paiements, et souvent, c'est la panne subite des machines. On ne peut pas enregistrer, parce qu'en enregistrant, ça laisse une trace. Donc, si vous êtes pressé, on vous donne un bout de papier pour dire que c'est votre reçu. Bon, réellement, est-ce que le bout de papier, l'argent correspondant à ce bout de papier, revient réellement dans la caisse des EDM? À la lumière de tout ce que vous venez de dire, à la lumière de tout ce que vous avez constaté, est-ce qu'il y a espoir de redressement de la situation? Bien sûr qu'il y a espoir. C'est-à-dire que l'espoir, c'est pas uniquement dire qu'il n'y aura plus de délestage, il n'y aura pas ça. Mais l'espoir, c'est quoi? C'est d'abord de nettoyer EDM de ces agents vireux. Et maintenant, faire le redressement en même temps. Parce que tant qu'il y a ces agents qui sont là, qui sont en train de gâcher, le redressement va être difficile. Donc, il faut quand même les détecter et les enlever d'abord des EDMSA. Maintenant, avec la nouvelle direction qui a été mise en place ce mois-ci, c'est-à-dire le mois d'octobre, là, et là, on est en train de mettre en place beaucoup de plans de redressement pour essayer maintenant de voir comment aller. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire du jour au lendemain aussi. Il faut quand même un peu de temps pour faire ça. Parce que le problème des EDM aussi, c'est quoi? C'est que
on a l'impression que les au niveau des EDM, c'est pas leur problème quoi. C'est-à-dire que la population est en train de souffrir, mais quand on rentre dans EDM et ça, on voit les agents, on a l'impression que eux, tout va bien. Voilà, tout va bien. Ils sont dans le meilleur du monde parce que ils ont beaucoup d'avantages. Hein? Il faut pas que les syndicats pensent que je suis contre les avantages qu'on accorde à EDM, mais j'ai dit l'accord des avantages aussi doit avoir un retour qui aide la bonne gestion. Alors, qu'est-ce que vous avez quand même envie de dire aux Maliennes et aux Maliens aujourd'hui qui souffrent beaucoup de cette situation? Moi, je dis que nous souffrons tous. Hein. Moi, que vous voyez, vous pensez que j'ai quelque chose, on me fait la coupure d'électricité comme tout le monde. La coupure d'électricité, moi, deux nuits, je n'ai pas d'électricité. Mais j'ai dit, c'est quelque chose qui est là. Il faut pas être patient. Et aujourd'hui, on est venu leur dire que les mots qui entraînent ces délestages-là, on les a identifiés, on est en train de les traiter. Et ce traitement, l'identification de ces mots ne se fait pas en quelques jours. L'identification de ces mots, ça peut prendre un mois, deux mois, trois mois. Ça dépend des mots qu'il faut trouver à tel endroit, etc. Mais déjà, si on arrive à résoudre ce problème du carburant, il y aura beaucoup moins de délestages. Ça veut dire qu'il faut patienter? Il faut patienter un peu. Parce que je vous dis tout de suite là, s'il y a eu tous ces délestages, parce que la centrale de Sirakoro, qui est la plus grosse centrale, était en arrêt. Mais, parce que EDM a voulu ne pas mettre du gasoil dans ce central-là, dans cette centrale, sont en train de nettoyer. Et il y a aujourd'hui 19 camions de fuel qui sont arrivés sur Bamako ce soir, qui vont être déboutés au niveau de cette centrale. Et donc, on va déjà commencer à faire fonctionner cette centrale-là avec le fuel. Et le fuel ne brûle pas aussi vite que le gasoil. Donc, ça mettra plus de temps. Donc, déjà, à partir de demain, il y aura moins de délestages. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de délestages. Madame le ministre, langage de vérité, encore une fois, ça va s'améliorer considérablement à quel horizon? Ça veut dire que c'est ce que j'y suis. À partir de demain, ça ira. À partir de demain, déjà, il y aura une amélioration. D'accord. Maintenant, on a trouvé des fournisseurs pour que la fourniture ne s'arrête pas. La rotation doit être continue. Et si cette rotation est continue, il n'y aura pas de problème. Et si on fait attention, parce que le problème maintenant, c'est qu'il va y avoir un contrôle sévère sur toutes les citernes des EDM qui vont rentrer à Bamako, depuis leur entrée à Bamako jusqu'à leur dépoutage au niveau de la centrale où ils sont dispatchés. Voilà, à suivre l'intégralité de cet entretien juste après ce journal ainsi que la version en langue bamanankan. Vous pourrez également